cette vidéo, on va voir comment réaliser ce sac filet. Donc c'est un sac filet qu'on va commencer donc par un carré et ensuite on va augmenter pour ensuite venir le rejoindre et faire les bordures et les anses. Donc là, moi j'ai utilisé du fil 100% coton. Donc c'est le fil Baby Cotton de chez DMC. J'ai utilisé 4 pelotes au total, une paire de ciseaux et une aiguille Allen pour rentrer des fils. J'ai utilisé un crochet numéro 4. Donc il mesure environ 45 cm de large et 30 cm de haut quand il est à plat. Hein. Donc là il n'est pas rempli. Il est quand même assez grand et d'après ce modèle, vous pourrez le faire soit plus petit, soit plus grand. Vraiment, ça sera à vous de choisir. Donc, on va passer tout de suite aux explications. On démarre par un cercle magique. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui équivaut à une bride. Et on va faire 3 brides à l'intérieur du cercle. 1, 2 et 3. Donc là, on a un premier groupe de 4 brides. Ensuite, on vient faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et de nouveau, 4 brides dans le cercle. 1, 2, 3 et 4. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 4 brides. 1, 2, 3, 4. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On va serrer un peu notre cercle magique. Encore une fois, 4 brides. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, et on vient joindre, donc on peut déjà serrer notre cercle, on va joindre dans la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Donc ça, c'était notre premier tour. Vous voyez, ça forme déjà un petit carré. Donc on continue, on va faire le rang 2. 1, 2, 3 mailles en l'air, donc qui équivaut à une bride, mais ça sera la quatrième de notre angle de ce côté-là. Donc vous allez voir ce que ça a donné. On va faire une maille de séparation et dans chaque angle, on va faire 4 brides, 5 mailles en l'air, 4 brides au même endroit. Donc on va le faire ensemble tout de suite. 1, 2, 3, 4 brides. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 brides. Une maille en l'air de séparation. Donc là, on a formé le premier angle. Là, on a travaillé dans le premier angle. Une maille en l'air de séparation. On va venir faire la même chose dans chaque angle. Donc 4 brides, 5 mailles en l'air, 4 brides. Et entre chaque angle, une maille en l'air de séparation. On continue jusqu'à notre dernier angle.
On arrive à notre dernier angle. Donc on a fait ici une maille en l'air de séparation. On va faire 4 brides. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2, 3 et on vient joindre ici dans la troisième maille en l'air de départ, hein, ce qui nous formait notre première bride. Enfin, c'est la dernière en fait de ce rang-là. Donc on joint par une maille coulée. Donc comme je vous l'ai dit en début de rang, les 3 mailles en l'air qu'on a fait au début, c'est la dernière bride de ce groupe-là. Donc là, on a fait notre deuxième rang et on va voir la suite ensemble tout de suite. Pour le troisième rang, on démarre par une maille en l'air. Ensuite, dans l'espace ici, on vient faire une maille serrée. Et maintenant, 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, dans l'espace, on fait toujours 4 brides. 1, 2, 3, 4 brides. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et au même endroit, 4 brides. 1, 2, 3, et 4. Donc dans chaque, je vais vous le poser pour vous le montrer, à chaque angle, donc dans chaque coin, on va toujours faire 4 brides, 5 mailles en l'air, 4 brides au même endroit. Ça, à chaque fois qu'on arrivera à un angle, on fera toujours ça. 4 brides, 5 mailles en l'air, 4 brides. Ce qui va changer, c'est les 6 mailles en l'air qu'on va faire entre chaque espace, hein, entre chaque coin, on va faire 6 mailles en l'air. Donc ici, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans mon espace du milieu, je fais une maille serrée. Je repars pour mon prochain angle avec 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, dans mon angle, je fais 4 brides. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Et 4 brides. 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'était pour notre angle. Après, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au milieu, une maille serrée. On repart avec 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. On a fait notre dernier angle, donc ça nous donne ça. Il nous reste 6 mailles en l'air à faire. Donc on va les faire ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et au lieu de venir fermer ici, on va venir directement dans l'arceau pour faire une maille serrée. Et on va repartir de là. Donc toujours en faisant 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va toujours démarrer notre rang comme ça, par 6 mailles en l'air. Ensuite on va aller dans notre angle, on va faire la même chose hein, qu'au rang précédent. Toujours dans les angles, 4 brides, 5 mailles en l'air, 4 brides. Ensuite on va faire toujours des chaînettes de 6 mailles en l'air qu'on va venir attacher
Dans chaque arceau avec une maille serrée, 6 mailles en l'air, une maille serrée, et ça va augmenter ici de chaque côté. Donc on va faire un petit bout ensemble et ensuite je vous laisserai faire autant de rangs que vous voulez pour la grandeur de votre sac. Donc là on en est à un angle. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voyez ici j'avais deux arceaux. Donc dans le premier, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans le suivant également, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je retombe dans un angle. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. On va continuer comme ça sur le même principe. Vous voyez, ici on avait deux arceaux, là on en a trois, le rang d'après on en aura quatre et ainsi de suite. Donc c'est ça qui va faire que notre carré s'agrandit. Et quand on arrive ici aux 6 mailles en l'air de départ, on vient tout simplement joindre par une maille serrée directement dans l'arceau. On redémarre toujours avec 6 mailles en l'air et on répète ça autant de fois, donc jusqu'à ce que vous ayez un carré suffisamment grand pour vous. Et ensuite on verra ensemble comment y faire les bordures et les anses. Donc je vous laisse continuer, on se retrouve juste après. Me revoilà, donc j'ai fait un bon morceau de mon sac. Maintenant qu'on a fait cette partie là, on va pouvoir faire la bordure et après on fera les anses. Donc juste un petit point pour vous expliquer. Donc là j'ai un carré qui fait environ 65 cm de côté, donc d'un bout à l'autre. J'ai 18 arceaux, donc 18 crans comme ça de chaque côté. Et pour savoir exactement où vous devez vous arrêter, c'est très simple. Quand vous avez votre milieu, vous voyez qu'ici ça se rejoint partout sauf à un endroit. Hein, ça c'est vraiment là où on a démarré. Donc c'est sur ce côté là en haut qu'on va s'arrêter. Donc on s'arrête par 6 mailles en l'air qu'on joint par une maille serrée et on va continuer à partir de là pour faire les bordures. Donc on va remettre notre crochet et on va repartir de là. Donc je vous rappelle qu'on s'est arrêté par une maille serrée autour du dernier arceau. Donc on va faire maintenant 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va joindre ici dans la première des brides par une maille coulée. Ensuite, au-dessus de chaque bride, donc 1, 2, 3, 4, on va faire une maille serrée. Donc, 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Dans l'arceau de l'angle, on va faire 2 mailles serrées, 1, 2, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5
et au même endroit, donc dans l'arceau qui fait l'angle, on refait 2 mailles serrées. Une et deux. Donc là, c'est notre angle. À chaque angle, on fera ça. Ensuite, on repart sur nos 4 brides avec 4 mailles serrées. Une, deux, trois et 4. Ensuite, dans les 3 prochains arceaux, donc celui-ci, celui-ci et celui-ci, on va faire autour 3 mailles serrées. Donc le premier, 1, 2, 3 mailles serrées. Le second, 1, 2, 3 mailles serrées. Et le troisième, 1, 2, 3 mailles serrées. Ensuite, autour de chaque arceau, on va faire une maille serrée jusqu'à arriver à nos 3 derniers arceaux. Donc, on fait une maille serrée dans chaque arceau. Donc, on passe directement au suivant, une maille serrée. Dans le suivant, une maille serrée. Ainsi de suite, jusqu'à la fin de notre côté où on va laisser 3 arceaux. Donc on va faire tout le côté là ensemble et comme ça après vous pourrez faire les autres côtés. Donc peu importe le nombre d'arceaux que vous avez, si votre sac est plus grand ou s'il est plus petit, le principe sera toujours le même. On travaille les trois premiers arceaux et les 3 derniers. Dans ceux du centre, on fait une maille serrée à chaque fois. Donc 1, 2, 3. Ici, je suis à mon 3e arceau. Dans celui-ci, je fais 3 mailles serrées. Donc j'en avais déjà fait une. Donc une deuxième, une troisième. Dans le suivant, 3 également. 1, 2, 3 et dans le suivant également. 1, 2 et 3. Ici, on arrive sur nos 4 brides. Donc, on fait une maille serrée sur chaque bride. 1, 2, 3 et 4. Dans l'angle, je vous rappelle, on fait 2 mailles serrées. 1, 2, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 et 2 mailles serrées au même endroit, 1, 2, de nouveau 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 au-dessus de nos 4 brides hein. Et là donc on va redémarrer le deuxième côté. Donc, dans le premier, deuxième et troisième arceau, on fait 3 mailles serrées. Ensuite, une maille serrée jusqu'à nos 3 derniers arceaux. Et dans les 3 derniers arceaux, 3 mailles serrées. Et on redémarre avec notre angle. Donc, je vous laisse faire ça tout le tour jusqu'à arriver à notre premier côté. Notre premier angle. Et on se retrouve juste après. On a fini notre rang donc par 3 mailles serrées au-dessus du dernier arceau. Donc maintenant, on va travailler maille serrée sur maille serrée. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a 6 mailles serrées avant l'arceau qui fait l'angle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire une maille serrée sur chaque maille serrée. Une, deux, trois, quatre, cinq et six. Dans l'arceau, on fait toujours la même chose qu'au rang précédent. Deux mailles serrées. Une, deux, 3, 4, 5 mailles en l'air et de nouveau 2 mailles serrées dans l'arceau.
Ensuite, on repart sur notre côté et là, on va faire tout simplement une maille serrée au-dessus de chaque maille. Il n'y a que quand on arrive dans un arceau, dans un angle, on fait deux mailles serrées dans l'arceau, cinq mailles en l'air et deux mailles serrées de nouveau dans l'arceau. Donc, je vous laisse faire tout le tour du sac comme ça et on se retrouve juste après. Ici, on arrive donc à nos 6 mailles serrées de départ hein, qu'on avait fait donc au rang précédent. Maintenant, on va travailler donc sur les 8 prochaines mailles serrées. Donc, vous voyez, il y en a plus 6, maintenant il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, le rang précédent, on a travaillé sur les 6 mailles serrées. Donc, ici, on arrive à la fin de notre rang. On va continuer donc la même chose qu'on a fait sur ce rang-là. Sauf que pour les angles, on travaille sur nos 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on va le faire le début ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On arrive dans un angle, on fait 2 mailles serrées, 1 et 2, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 et 2 mailles serrées au même endroit. Donc c'est exactement la même chose que le rang qu'on vient de faire. Sauf qu'ici, on a maintenant 8 mailles serrées. Donc, on continue maille sur maille jusqu'à arriver à un angle. Et dans l'angle, on fera toujours 2 mailles serrées, 5 mailles en l'air et 2 mailles serrées au même endroit avant de repartir. Et on va continuer comme ça tout notre rang. Donc là, je suis arrivée à la fin de mon tour et je vais continuer à crocheter jusqu'à ce que je sois à l'intérieur de mon angle. Donc toujours maille serrée sur maille serrée. Et dans l'arceau qui forme l'angle, on va crocheter 3 mailles serrées. Donc là, on y est. Donc ici, dans mon arceau, je fais 1, 2, 3 mailles serrées. Maintenant, je vais faire donc ma première anse et je vais faire 60 mailles en l'air. Donc si vous estimez que c'est trop ou pas assez, vous pouvez changer bien entendu. Mais moi, je vais partir sur une chaînette de 60 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 et 60. Donc 60 mailles. En faisant bien attention que notre chaînette ne vrille pas. Donc maintenant, on va venir chercher le prochain angle. Hein. On va passer tout notre côté et on va sauter pour atterrir à l'angle suivant. Donc vous voyez, ici, j'étais dans l'angle là. J'ai fait ma chaînette. Je tiens mon ouvrage, je vais jusqu'à l'autre anse. Et je vais faire ici 3 mailles serrées autour de l'arceau. Donc en faisant bien attention, je répète, à ce que la chaînette ne vrille pas. Donc vriller, ça veut dire qu'elle ne tourne pas. Hein. On fait bien attention qu'elle reste bien droite. Donc comme ça, hein.
Hop, là, elle tourne pas. On voit qu'elle est bien, bien droite. Et une fois qu'on s'est assuré qu'elle n'a pas tourné, on vient piquer directement dans l'angle et on va venir faire 3 mailles serrées ici. Donc, 1, 2 et 3. Donc, pour le prochain côté, on va travailler maille sur maille. Donc, une maille serrée sur chaque maille serrée jusqu'à arriver à notre prochain arceau. Et on continuera donc 3 mailles serrées dans l'arceau et on forme notre deuxième anse. Donc on va le faire ensemble. Donc là on a fait les 3 mailles serrées. On continue une maille dans chaque maille. Donc là, on arrive à notre angle. Donc on a déjà fait une chaînette de 60 mailles en l'air. Et là, donc pour un deuxième côté, tout un côté maille sur maille. On va faire exactement la même chose pour les deux côtés qu'il nous reste. Donc là, arrivé à l'angle, on va faire nos 3 mailles serrées. Voilà, donc là on y est, on refait une, deux, trois mailles serrées, on refait notre chaînette, hein. Donc là je vous rappelle que c'est une chaînette de 60 mailles en l'air, on va venir l'attacher à l'autre côté en faisant 3 mailles serrées et on repart tout notre côté, donc ça sera le dernier côté jusqu'à notre chaînette, tout en mailles serrées. Donc je vous laisse faire ça tranquillement et on se retrouve juste après pour les prochains tours. Voilà, donc là on a fait tout le tour. Maintenant on va faire deux tours complets en faisant maille sur maille. Donc même à travers la chaînette, ici vous allez piquer carrément dans la maille. Et vous allez travailler comme ça, maille sur maille. Quand vous arrivez sur un côté, ça ne pose pas de problème. On continue maille sur maille et on fait ça pendant deux tours complets. Donc ici, c'est pour ça que je vous ai dit de faire attention que la chaînette ne vrille pas. Donc il faut vraiment piquer ici à l'intérieur de la maille et travailler comme ça maille sur maille. Donc un rang complet, puis encore un deuxième, donc deux rangs en tout, où on va travailler maille serrée sur maille serrée. Donc je vous laisse faire vos deux rangs tranquillement et on se retrouvera pour les finitions. Voilà, donc on est arrivé à la fin de nos rangs où on a fait les anses. Donc le dernier rang, je vais vous montrer où il se termine. Donc il se termine vraiment ici, avant de redémarrer là où on avait fini le dernier motif, les 4 brides. Et donc il faut vraiment s'arrêter ici et fermer par une maille coulée. Donc vous la voyez bien là, la diagonale. Donc c'est dans cette maille-là qu'on va faire notre dernière maille coulée et on peut arrêter notre fil. Donc il ne nous reste plus qu'à rentrer les fils. Une
une fois les fils rentrés, notre sac est fini. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si oui, abonnez-vous à ma chaîne et allez consulter donc les autres vidéos que j'ai déjà faites, il y en a déjà pas mal. J'en ai encore plein à partager avec vous, donc n'hésitez pas à me laisser aussi des commentaires hein, pour me dire si ça vous convient, si vous trouvez ça facile ou non. J'y répondrai dès que je pourrai. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook, Mercerie de la Roseraie 90. Y rejoindre un groupe de tricot, de crochet. Donc c'est un groupe de partage et d'échange où vous pourrez y publier vos ouvrages. Donc j'ai hâte de les voir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.